Bonjour à tous et à toutes, je suis Raulus et aujourd'hui, nous ne sommes pas sur Golden Sun, mais sur Pokémon Jupiter version, le crossover entre Pokémon et Golden Sun. Et oui, ça existe et c'est trop bien. Sur ce, commençons une partie, à tout de suite. Je suis très excité de vous présenter ce anime parce que putain qu'il est bon. Je pense que c'est personnellement le meilleur crossover, enfin le meilleur acte de Pokémon du monde. Non pas que je sois un gros aficionados de Golden Sun parce que c'est trop bien, mais voilà, je vais laisser comme ça, on va mettre en moche. New game. Bon, chose à savoir cependant, c'est un hack, il y a des choses qui sont un petit peu buggées. Il y a les musiques du jeu Golden Sun. On incarne Yvan de... On incarne Yvan, voilà. Il y aura beaucoup de références. Il y aura plein de nouveaux Pokémon aussi. Pas mal de références. Et les héros principaux, il me semble, sont les champions d'arène. Et le conseil des 4. Mais là, je vous laisse la surprise. Le lien, évidemment, est dans la description pour RunStation. Vous le téléchargez, c'est totalement gratuit. Vous cherchez Pokémon Jupiter version, vous le téléchargez, vous comprenez à peu près l'anglais, et allez-y. Bonjour, mon camarade de fortune. Ce monde, blablabla, mon nom est Charon, reste calme. Ceci est un Pokémon. Oui, alors les Pokémon sont totalement refaits, il y a plein de nouveaux. Ce monde de Pokémon est habité par des Pokémon sans deck. Beaucoup d'entraîneurs, comme ils s'appellent, utilisent des Pokémon pour se battre, ou comme des animaux, ou bien pour semer la terreur. Toi et moi sommes les derniers de notre race, les Minonian. Bing de sénateur, je sais pas, c'est nécessaire pour notre survie. Ok. Je ne sais pas où nous sommes. Non, où tu es? Où es-tu? Alors, ceci est Yvan. Ceci est je sais pas qui. On va prendre Yvan. Quel est ton nom? Yvan. Yvan Taras. Oui, Yvan. Je comprends. Yvan, l'eau et je sais pas, ça va être trop vite. Déluge, blablabla. Donc là, le déluge, si je comprends, c'est la catastrophe d'il y a 3 ans à partir de Golden Sun 1. Oui, ne cherchez pas à comprendre pourquoi il y a des bruitages de Pokémon au rubis Saphir quand on est dans le camion au tout début. J'ai pas compris moi-même. Je cherche pas à comprendre. Et on entend toujours le bruit de camion. C'est le petit défaut de ce jeu. Mais on lui pardonne. On lui pardonne tout. Je connais pas toutes les musiques de Golden Sun. Il me semble que celle-ci, si je dis pas de la merde, c'est la musique du Temple de Sol. Oui, il me semble. Et donc là, nous montons la grotte. On entend toujours le petit bruit, évidemment. Hein. C'est génial. Le seul défaut, mais bon. Ce jeu est bon. Pas d'autres mots. Et là, mais qu'est-ce que c'est? Un trou?
c'est... Il est là, le trou. As soon we gonna... Ok, nous devons nous séparer. Look at me soon, quand tu pourras. Hurry, nous n'avons pas le temps. Ok. En gros, on doit sauter dans le trou et le retrouver dès que nous aurons le temps. C'est un Pokémon. Va en dehors de mon chemin, espèce de Pokémon oiseau. Il n'est pas mort. Je n'ai jamais vu cet enfant. Je n'ai jamais vu cet enfant sur cette plage. Ouais, ce n'est pas un problème pour moi. Ah, il se réveille. Donc ton nom est Yvan. C'est fabuleux. Mon nom est Fabio Pink. Tu peux m'appeler Monsieur Rose. Tu sembles vouloir une place pour rester. Pourquoi ne pas venir dans mon absolu fabuleux palace, on va dire maison. Je suis pas encore si fort que ça en anglais. C'est un problème. Et on accompagne Monsieur Rose. Ok, je n'ai aucune. Non, je vais pas faire de blague de ce genre. Voilà, j'ai cru que c'était bugué, mais en fait, il faut que j'appuie sur une touche. Ceci est ma fabuleuse maison. Yvan, tu peux rester aussi longtemps que tu veux, gamin. Nous avons une chambre au-dessus. Tu peux checker ça maintenant. L'horloge est morte. Est-ce que tu peux la fixer pour moi, s'il te plaît? Très bien. Bonjour, princessia. Ok. Alors, les noms sont génial. L'horloge s'est arrêtée. Nous devons... Allons jeter un oeil. Oui, il est 10h du soir. Ah, Yvan, c'est magnifique. J'ai été trouver une super place pour rester. Maintenant, je dois le descendre pour faire des burritos, ouais. N'oublie pas de lire le notebook ici, c'est juste fabuleux. Ouais. Alors évidemment, prenons la potion. Voilà, et cassons-nous parce que nous devons retrouver un charron. Alors cependant, je vous demanderai de bien regarder ça, c'est magnifique, c'est entièrement refait. C'est une statue d'un mystérieux Pokémon. Quelque chose me dit que si vous jouez à ce jeu, vous le rencontrerez. Peut-être. Nous sommes sur la route 300. Énorme. Ah putain, cette musique. Je sens les nostalgiques. Je sens que j'ai donné envie aux nostalgiques de Golden Sun d'avoir ce jeu. Je le sens bien. Je le rappelle, Rome Station, description, tout ça, complètement gratuit. Gratuit parce que, bah, c'est tant mieux. Alors, je visite un petit peu, hein. Je n'ai pas encore les chaussures pour courir. Bien, bien, bien. Allons-y. Donc, je me barre. D'accord. La maison de Monsieur Rose. Ok, une pancarte qui ne sert à rien. Pourquoi pas? Pas encore. Hey, es-tu un entraîneur? Prends un Pokémon dans le sac et aide-moi. Alors. Voilà, vous avez des Pokémon. Des nouveaux Pokémon. Alors, nous commençons par... Un Pokémon Air qui s'appelle Chinchilla. Donc non. Un Pokémon qui ressemble à je sais pas quoi. Qui s'appelle Flaram. Mais moi j'ai utilisé celui-ci. Lifesaver Pokémon Buyanox. Et franchement, il est mignon ce Pokémon. Ah, vous l'aimez cette musique? Isaac Battle Theme. C'est trop bien. It's raining. Fuck yeah. Je te fais un tacle. Je dirais presque que c'est un petit remix juste pour le jeu.
J'ai gagné 10 points d'XP, trop bien, c'est trop cool. Hey, merci, c'est normalement... attends. Et normalement moi ce Pokémon, mais accidentellement... il a triché sur mon sac. Ok, j'ai rien compris. Ce n'est pas une place pour parler. Veux-tu venir au bar pour parler? Parce qu'il y a un bar. Ça allait trop vite. Bref. Forcément, nous attendons. Tu es vraiment... Tu peux garder ce Pokémon. Tu reçois un Buyanox. Et pourquoi ne pas donner un nickname à Buyanox? Parce que j'ai pas envie. Bref, tu peux aller à l'est tous. Sixwell. Si tu veux, je te montrerai comment attraper un Pokémon. Mange ici, d'accord, j'ai pas compris. Ok. Donc ouais, premier changement, il y a un bar dans la ville et il pleut. Il pleut, c'est moche. Donc allons à Sixwater. Monsieur Pink, dit Yvan. Yvan, regarde mon ami. Que penses-tu de ceci? Oh, non, j'ai mal traduit. Qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est un Buyanox. C'est vraiment fabuleux. Pas trop fabuleux. Tu es définitivement devenu un bon dresseur de Pokémon. Écoute, je voudrais te donner ceci. Dadana. Bref, il nous donne les chaussures de vitesse. Voilà. Alors, blablabla. Oui, je sais comment ça marche. Je vous aime. Il nous aime. Trop stylé. By the way, je suis un peu nanana. Si tu vois un très méchant possible à skin about me, tel même je suis. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Il y a des petites références. Pas que Golden Sun. Je suis Monsieur Rose. Pas un pédophile. Pour les petits enfants qui aiment les petits enfants. Et qui fument de l'herbe. Voilà. Je voulais pas faire cette remarque en fait parce que j'avais des doutes. Moi je pensais qu'il était gay, mais en fait c'est un pédophile. Donc les enfants, les personnes qui s'appellent Monsieur Rose, non, n'allez pas les voir. Voilà, c'était le conseil du jour. Mais poutrez la gueule au piaf. Un Benou Baby. Moi je m'en fous, j'ai un Buyanox trop classe. Il est trop beau ce Buyanox. Je suis à la ville de Zephyr, qui ressemble étrangement à la ville qui a la musique de je sais pas lequel. Je ne connais pas toutes les musiques. Je regrette. Bref, nous voilà. On fait des choses. Il y a de l'eau. Une eau extrêmement belle. Et alors je ne connais pas cette musique. J'aime les charts. Ah voilà. Alors là, là c'est complètement Pokémon. Dans tous les Pokémon, il y a toujours un gamin qui dit eh, j'aime les charts. Vous le retrouverez toujours. Il a un stouf, un hamster quoi, ouais. Je te fais un tacle, le hamster. Et lui, il fait mimiqueux, d'accord. C'est cette attaque que je possède. J'aimerais savoir. Ok. Très bien. Je viens de me prendre lui dans la gueule. Bon, je gagne. Quoi? Non. Oh, ça fait mal. J'avais une baie orange. Eh ben tant mieux. J'avais totalement prévu ce coup. Et je level up. Trop bien. J'apprends 12. 12. Il me semble que c'est Buldo. Ah, j'ai perdu. Je devrais m'entraîner un peu plus. Ouais. Tu es une bite. Et moi je cours dans les hautes herbes. Je vais quand même. Alors oui, mon plan est que j'évite tous les dresseurs. Parce que j'ai qu'un Pokémon.
et que j'aimerais vous en montrer un peu plus. Et ouais. Bah tiens, un Humstouf. Hamster à longue dent. Ok, je viens de traduire le nom. Donc on pourrait traduire soit par... Humdentaire, non. Bah traduisez le nom des Pokémon dans les commentaires et... Si quelqu'un a le courage de faire une version française de ce jeu, et ben, tant mieux. Et nous voici donc à Styx Werewolf City. Et là, musique. Menu time. Oh là là, que de souvenirs. Alors si vous avez vu Pokéball, on dirait l'étoile de Mars. Bref, là donc, je devrais voir... Ah voilà, c'est lui. Rachel. Je vais te parler de mon job. Tu dois être un nouvel entraîneur. Eh bien, je vais te montrer comment attraper un Pokémon. Car bien sûr, si tu n'as jamais joué à Pokémon, tu ne le sauras jamais. Sauf bien sûr si tu tapais une des 380 milliards de... Non, pas une des 380. Mais combien de versions de Pokémon? Une des vingtaines de jeux Pokémon. Et regarde, c'est un Pokémon avec une musique trop épique. Là je vois pas quoi dire, en fait il explique comment attraper un Pokémon. Alors question, Rachel sans... Rachel EL. Il me semble que c'est pas fait, c'est masculin. C'est pas Rachel 2LE. C'est une question toute bête. Défistal capturé. Tu as appris comment capturer un Pokémon. Bref, les portes de la gym sont fermées. Attends une seconde. Tu pourras pas être le champion plus tard. Bref, je pense que je vais te donner ceci. Lance le Pokédex. Ah, trop bien. Oui, ceci est un Pokédex. Tu peux voir les différents Pokémon que tu as attrapés ou vus. Bref, j'y vais, Yvan. J'espère qu'on se battra un jour. Téléportation, tu reviens au point, il s'est rien passé. Et bien sûr, tu n'as pas de Pokéball. Donc tu dois aller en acheter. Parce que je suis un radin. Voilà, voilà. Pokéball 3. Voilà, voilà. Allez, non, centre Pokémon, c'est bon. Et ben, je vais continuer ma route sur la route 300. Sur rien du tout, en fait. Et donc là, nous découvrons une nouvelle partie. Je vais me battre contre cet enfant. Est-ce que tu aimes les crocs? Ça doit être des chaussures. Cet enfant a deux Pokémon! Youngster Belay. Un lépure. Un chat quoi. Un niveau 8. Oh ta race. Mais j'ai une attaque. Oh. Ok, je vais crever. Je souffre atrocement. Bon bah je meurs. Genre bientôt. Mais en fait non, parce que j'ai une potion. Pour la présentation, je fais ce que je veux. What?
Ah ouais, alors en fait, quand on fait bague ou Pokémon, bref, quand on change l'interface et qu'on revient, ils font de leur petite animation. Pourquoi pas? Je m'en fous, tu meurs, espèce de leaper. Level up. Yes. Double level up. Et enfin, je me combat contre un... ouais, c'est moche. Voyons. Prends-toi de l'eau. Meurs. Souffre. Ça, c'était bluff. Je reconnais les animations, à peu près. La musique est tellement forte dans mon casque, mais qu'est-ce qu'elle est bien! Voilà. Je gagne même pas d'argent. Ok, alors là, technique. Oh mon dieu, il me faut coupe! Je n'ai pas cette capacité. Alors, je vais essayer de passer discrètement. Alors là, il faut encore utiliser coupe. J'ai commencé d'aller dans la ville. La proie, oh là là. Mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des baies. Ouais, parce que un Pokémon oblige. Ça tombe bien parce que pour aller à la prochaine ville, je vais donner des objets au rang, voilà. Non, pas checker. Donner à Bianox. Et on va faire le petit... Est-ce que je peux passer? Mlol, mlol, c'est trop drôle, t'as vu? Trop bien. Ok, bonjour madame, Lino, tu peux... Ok. Ok, on peut sauter, on peut faire. Mlol. Trop bien. Et c'est une grotte. Wouah. Wouah, ça change. Wouah, ça fait... Wouah, c'est étrange. Hein, c'est la zone avec de la sueur. Enfin, de la sueur. Une potion d'antiparalysie. Ouais, donc je viens de trouver en fait c'est le bloc de Pokémon Ruby Saphir Emerald. Je suis perspicace. Bref. Ah non, c'est bien. Ouah, il est trop mignon. Frozy Bird, je t'aime. Ah, je te capture pour le... pour la beauté. C'est inefficace. Je suis gelé. Ah merde. Il est trop beau. Je suis défrost. Trop bien. Regardez-moi cette tête. Il est kawaii. Ok. Non mais là je capture les mecs. Pour la beauté de la chose. Elle est où? Pokéball. Il n'y a pas la petite animation par contre avec les étoiles. C'est encore un petit reproche. Il est tellement mignon. Ah, je le veux. Non. Voilà. Moi la Pokéball j'attrape pas. Hop là. C'est la magie. Voyons. Ok. Alors là, il devait sans doute y avoir une référence à je ne sais quoi. J'aimerais bien arriver à la prochaine ville en fait.
Ok. Très bien. Non mais je vais aller à la prochaine ville. Arrête. Bon. Au moins, ils ont gardé des Pokémon des précédentes générations. Enfin, de la vraie licence, plutôt. Bah, c'est bien. Pourquoi pas, c'est original. Tu es quoi, Krumpy? Ouais. Ouais, quoi. Ouais, wow, 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 calme-toi. Ah, voilà. Ouah, c'est beau. C'est beau, putain. Je crois presque dans un village de Golden Sun. C'est beau. Elle est où, la reine? Au moins que je fasse la reine. Oui, je veux que le Pokémon se repose. Oh, c'est calme. Oh putain, c'est trop. D'accord. Très bien. Ouais. Ok. Bon, je vais pas chercher à comprendre. Ok. Elle est où, la reine? Elle est là. Ça fait un peu flipper toutes ces statues quand même. Je veux pas dire, mais voilà. Oula. Ouais, ouais, ça c'est... Bon. Ça c'est un remix de la Ligue Pokémon. Bah, ça va encore. Allons combattre. Jamie veut un cookie. Doit y avoir une référence. Oh, ça c'est un monstre directement tiré de Golden Sun. Ça se voit au sprite. Du coup, je fais quoi? Je vais crever, on est d'accord. On est totalement d'accord là-dessus. Je change contre un Frozy Bird qui est un objet que je ne sais pas ce que c'est. Parce que j'ai oublié ou parce que j'ai pas vu. Ouais. Attaque. Frost. Quoi? Race. Bon bah je vais mourir. Non mais il faut qu'il m'aide. Voilà, c'est bon, je suis mort. Bon, c'est mort donc, voilà. Ouais, très bien, bon. Bah c'est là-dessus qu'on va s'arrêter, tiens. Voilà, c'était donc Pokémon version Jupiter. J'espère que ça vous aura plu. Que ça donnera une nostalgie de Golden Sun. D'y jouer. Personnellement, je vais continuer dans mon coin ce jeu.
Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas, comme d'habitude, si vous avez aimé, de mettre un petit like, de commenter. Vos impressions sur ce jeu m'intéressent. Et pourquoi pas le faire partager aux autres. De liker, de vous abonner si le cœur vous en dit, c'est totalement gratuit. De me suivre sur Twitter, le lien est dans la description, c'est totalement gratuit aussi. De partager la vidéo aux fans de Golden Sun si vous en connaissez. Bon jeu, et à la prochaine.